Allez, c'est parti. Gwen Jungle, très fort en clear, scaling de fou furieux, tu peux 1v9. Ça, c'est les points forts. Et les points faibles, c'est que t'es très nul en gank. T'as les pires ganks de tous les temps. T'es assez low HP en early. Le clear jungle est assez dur à maîtriser. Mais j'ai vu Bo, le nouveau jungler de la Karmine Corp, là, qui a atteint le rank 1 en Europe plein de fois, qui jouait pas mal Gwen Jungle en ce moment. Et il a un clear où il arrive à 3 à 10 en scuttle avec un smite. En solo start. Donc, on va essayer de le refaire un petit peu. Il solo start Raptors avec l'UQ spell et voilà, on va voir ce que ça donne. Pour le build, c'est Dawn Nashor et Riftmaker. Et pour les runes, je joue avec un truc assez classique avec Conquérant. Donc voilà. Le but, c'est vraiment de scale, de farm beaucoup et de 1v9. En gros. Hop, je lui mets une petite auto pour les rassembler. Et là, je tape juste le gros. Et je kite un petit peu. Normalement, ils devraient tous mourir passivement. Bah là, parfait. Et là, l'objectif, c'est de garder, vous voyez, mes 4 stacks de Q-spell. Voilà, tu vois, comme ça, j'ai utilisé sur les Krugs. Donc c'est assez tricky, mais ça fait vraiment la différence. Hop. Voilà, on va sur le raid maintenant. Ouais, faut pas trop chercher les ganks avec Gwen en early, faut vraiment chill. C'est pour ça que j'aime beaucoup de perso, moi aussi j'aime pas gank, hein. Je préfère farm ma jungle. Et un V9 en late game. Je prends le Q-spell ici. Et contre un Kayn jungle qui joue avec Predator, intéressant. Non, si j'ai mis une auto sur le mauvais, c'est pas grave. Là, faut vraiment essayer de taper que le gros, et j'ai mis deux fois FF. Hop. Ouais, j'ai pas utilisé mon Q-spell parce que ça ferait trop de dégâts. Et vous voyez, le Kayn est au bot. Il va peut-être vouloir mid-veil ici. Je vais prendre une petite potion de soin. Mais on est bien, hein. Pas de soucis. Ah, le petit Decimus qui vient nous aider. Merde. J'ai mis un ping sur le mauvais. Ils sont pas dans le bon ordre. On va finir le bloc quand même. Je peux quand même me faire une veil, hein. Faut que je fasse attention. Là, vous voyez, le Kayn, il a fait un gangbot niveau 3, c'est pas passé, donc c'est vraiment du cheese. Donc là, il est vraiment dans la merde. J'aurais peut-être pas dû smite ça, my bad. Est-ce qu'on peut gank au bot rapidement, là? J'arrive, hein. On va pop le ghost, hein. Ok, nice. J'ai encore mon ghost, là. Oh, ça fait plaisir. Franchement, les petites auto-attaques de Gwen, mec, c'est pour ça que j'adore ce perso. Les auto-attaques sous E, c'est tellement jouissif, je trouve. Parfait. Du coup, là, on n'a pas besoin de push la wave au bot. La Kisa est très très bien. On gagne ça. Là, j'ai encore mon heal, donc pas de soucis. Ok, il a bien joué l'écho. Je suis peut-être mort ici. Ok, est-ce qu'on arrive à le tuer ici? Ah, c'était close en vrai. Bon, il a plus rien, le écho, c'est fine, ça valait le coup d'essayer. En fait, je voulais essayer de bait au maximum le écho et de me heal au dernier moment avec mon Q-spell, mais c'est pas passé. En vrai, c'était close. Il a bien joué, il a flash le Q-spell de la luxe. C'était plutôt bien joué de sa part. Mais bon, c'est ok, il a utilisé ses deux summoners, on pourra peut-être le retuer plus tard. Est-ce qu'on peut gank le top là? Il y a trop de sbires. Je crois qu'il y a trop de sbires en vrai. Ouais. Après il va essayer de dive. Là vous voyez Volibear il va essayer de dive le Garen, donc faut que j'aille l'aider. 100% il va essayer de dive. Ah, il essaye pas. Si il essaye. On y va du coup. Je pense que je pourrais pas le rattraper ici. Qu'est-ce qu'il fait? Je peux peut-être le rattraper du coup hein, là. Il a trollé. En vrai, je
Je vais l'aider à push rapidement ici, on peut peut-être le dive. Hein. Ok, nice, on peut le dive. Hein. Il peut pas rester ici. Il va essayer de la défendre, mais on le tue. Hein. J'ai pas eu la 6, je suis abattu. Ah, je suis abattu de fou, il meurt en plus les Garen. Il est tellement abattu, mec. C'est ok, c'est ok. J'ai pas acheté le CS pour que ça aille tout autour ça. Voilà, parfait. Et on va retourner farmer la jungle. Vous voyez, c'est le dive est quand même bien parce qu'il perd une énorme wave. Je suis mort ici, my bad. Ah, je l'avais pas vu le écho. Je ne l'avais pas vu, my bad. Ok, bon, on va aller vers le groupe. Je pense qu'on va vers le groupe ici. Après, on a un scaling de fou. Le Colonel Nemesis, ouais, il joue bien en vrai. C'est la première game là. Tu l'arraches quand même l'écho. Ouais, en vrai le, si je le tue en revient tout à l'heure, ça aurait été incroyable, mais j'ai fail un peu. Bon, lui, on pourra rien lui faire. Au bot, c'est chaud. On va juste farmer ici, les gars. Ah, il m'a pris ma jungle, le KNFF. C'est pas une scuttle, c'est ok. Il m'a pris qu'un seul camp? Attends, mais c'est bizarre. Ok, je reset mon truc. Alors, est-ce que j'ai le temps de faire mon A? Je pense que oui. Hein. Nice. Optimisation, bien sûr. Mais moi que je me fascine. Ok, non, le écho à back, tout va bien. Je suis tellement triste de pas avoir eu l'assist au moins sur le volley bien, n'empêche tout à l'heure. C'était vraiment, vraiment sad, ça. Oh non, il l'a tué en plus. Je suis abattu. Est-ce que je peux invade le Kane là, honnêtement? Ah, je suis trop nul, j'ai raté mon truc. Oh, je suis tellement nul, mec. J'ai raté mon R, mon dernier R, je suis abattu. Il est dur à toucher, ce R, n'empêche. Hein. Il est vraiment dur à toucher. J'avais bien joué, mais juste le dernier R, je l'ai mis, quoi. C'est terrible. Allez, on se barre. On est bien dans nos items. En vrai, je vais acheter plutôt ça et ça. Et on est bien. Hein. Mes bots, je les ai dans combien de temps? Ouais, j'ai dans 1 minute 30. Je poserai la pink ward pour avoir les bots. Salut Jalil, ça va ou quoi? Salut Mama, salut nouveau dossier. Coup de la petite chartreuse. Comment ça, vous êtes à la petite chartreuse là? Vous me trollez. C'est pas le dernier qui fait plus mal? Ouais, c'est la troisième stack qui fait vraiment, vraiment mal. En fait, faut que je fight là. Bon, on pourra pas l'avoir malheureusement. J'aurais dû aller direct. C'est ok, ils ont craqué leur summoners. Je crois qu'elle est bien morte ici. Hein. Je pourrais pas l'aider malheureusement. Ok, je lui pète la gueule hein. Ah, il voulait gank la Kaisa en fait, il est trop malin. C'est son plan depuis le début. Ah, est-ce que je peux l'invade à son raid là? Parce que je suis niveau 7 quand même. Il est assez low HP. J'enlève la ward déjà. Là il va y avoir le écho sur moi encore.
On va dodge son R. Nice. Donc ouais, dans les situations où les gens ils commit sur vous, vous êtes très très fort. Hein, parce que vous pouvez kill back avec le R. Je peux rien faire ici. Je ne peux rien faire pour toi, mon ami. Donc, je fais gaffe parce qu'elle a encore son ulti, la Caitlyn, là. Après, j'ai mon Z, mais... Ah! Ok, les loups. Oh la vache, mec, la chatte que j'ai eue. Ça va être très très bien. Et encore là, honnêtement, je joue pas mécaniquement pixel avec Gwen, je le sens, tu vois. Je peux améliorer mes moves. Mais ouais, dans la situation où tu kite back, t'es ultra fort. Plus les fights durent longtemps, plus t'es fort parce que t'as conquérant, t'as tes 3 stacks de R à mettre. Tu régènes beaucoup d'HP. Lui, il est là, je vais back, j'ai beaucoup de gold. Salut tout le monde, salut à tous ceux qui arrivent. Je crois qu'il faut faire les bottes de lucidité, hein, il me semble, si je dis pas de bêtises. T'as pas trop besoin des bottes de pénétration magique parce qu'en fait t'as des trous d'amage. Donc tu t'en fous de la péné magique. Ok. Tout moment il est sur l'Hérald. Alors j'ai pas forcément envie de le défendre. Parce que le écho met beaucoup de pression. Ok, non, il a back, il a pris sa forme. Putain, il a déjà sa forme. Est-ce qu'on peut gank le bot peut-être? Il n'y a pas la Kaisa, mais bon. Il y a la Nami qui a son ulti dans deux secondes là. Allez, j'arrive, je vais ghost bientôt. Non, un ulti mon pote. Allez, il est mort pour la bonne cause. Hop! Ça découpe. On prend le kill ici, on est content. On va laisser le farm à la Kaisa. Du coup, il est top. En vrai, j'ai pas forcément fait le Drake ici. Quoique, j'ai la Kaisa avec moi. Elle peut venir m'aider. Vas-y. Vu qu'elle a la Kaisa avec moi et que j'ai quand même une dent de la charge, je le fais assez rapidement. Faire gaffe à Kayn parce qu'il peut steal assez facilement. On va back maintenant. Je pense que c'est que le Kayn est là hein, parce que c'est lui qui vient d'utiliser la plante de vision. Donc on va retourner au raid direct. On pourra peut-être sauver l'Hérald potentiellement. Parfait, on a un bon petit back ici en plus. Nickel. Donc là, le Echo il file. En plus, Echo Yumi c'est très très chiant. Je pense qu'il va me falloir un Zhonya ici. Ils ont beaucoup de dégâts en burst. Et le volet bien joue la paix. En vrai, ils ont pas mal de dégâts magiques. Ce qui est chiant, c'est que sur les AP, c'est dur de faire de la magie résiste. T'as que la Banshee. Mais honnêtement, Banshee sur Gwen, ça pue la merde. Hein. J'avoue, je sais pas trop quoi faire comme item. Là, on a Free Herald. Hein. On a Free Herald. Ils sont tous au bot, donc... Oh bah il est tellement gentil ce Garen par contre. On s'en fout de la top lane, on va juste aller prendre la jungle du Kayn hein, vu qu'il était au bot. Je pense que j'ai... C'est un peu close mais je pense que j'ai le temps. Ok. Tant que je vois pas, en vrai je garde mon smite. Oh mais c'est tellement agréable de farm avec Gwen mec, je te jure c'est une dinguerie. Je pourrais dive le top honnêtement, mais vu qu'il gagne déjà hard son matchup, j'ai pas envie de forcément l'aider plus que ça, parce qu'il va outscale dans tous les cas Garen. Faire autant farmer toute ma jungle qui est up là, et aller aider la bot lane, c'est mieux je pense. Ah il m'a pris mon bleu le Kayn, il est malin hein. Il le tue ou pas? Ok. Je vais prendre la wave au mid ici. Ouais, y'a Kaisa qui arrive pour la prendre, mais. Je peux peut-être aller au bot du coup. Qu'est-ce que je peux récupérer la Caitlyn là, qui a un HP? Probablement.
Alors toi, une petite Caitlyn, mon pote. Je vais passer dans le buisson là pour avoir le petit buff de mon speed. On va ghost, hein. Hop là. Je cours plus vite qu'elle. Là, on va laisser la wave ici, push, comme ça, mon... je sais pas qui c'est qui peut aller récupérer. On va aller prendre la jungle de Kayn, parce qu'on sait qu'il a pris mon bleu, donc du coup, on sait que ma jungle botside n'est probablement pas up. Et par contre, on sait qu'il est top, donc on peut prendre sa jungle ici. En faisant attention à Echo, quoi. Oui, il est top, là, on vient de le voir ici. Je vais prendre cette jungle, on est content. Hop, parfait. Et là, on peut back, on a l'item. Ah. Ici sur moi, je pense. Faut que je fasse attention. Je voulais dire que je veux pas fight ici. Parfait. On est très bien, les gars. On est très bien. En plus, la team rundown, c'est parfait. On est en 0-25. On va essayer de la comeback. C'est ce qu'on voulait. Bon, après, j'ai un peu feed le Echo aussi. C'était un peu my bad, ça. D'avoir mon gromp là, parfait. Je peux aller gank le bot, tu vois, là je vais skip le... Je vais skip un peu pour aller gank. J'ai moyen de choper la Caitlyn ici. Donc on va ulti first. Parfait. On va dodge ici. Et là on lui met les autos, hein, c'est tout. Oh la vache, il a eu de la chance, hein. C'est qui la TP? C'est Volibear, hein, mais on gagne, je pense. On met des autos, hein. Parfait, hein. Oui, les dégâts que je fais juste avec les autos, c'est une dinguerie. Je pense que j'aurais dû tuer le Kayn, là. J'ai un peu misplay à un moment. En fait, je crois que vraiment le A, il faut l'utiliser avec le E en même temps. Et ça, j'ai tendance à l'oublier. Il va à la go, on peut l'aider, hein. Je vais essayer de focus le Kayn. Ok. Oh, tu vois là, je l'ai fait. T'as vu ce que j'ai fait ou pas? C'était vraiment ultra close. Je pense qu'on peut mettre les râles là-dessus. Je vais prendre la wave ici. Je vais laisser le canon et la tourelle et je vais aller faire le Drake. Hop. Mais en gros, ouais, le combo. Oh, regardez, je vous montre, c'est ça en fait. Tu fais A et E en même temps. Et ça carry de fou, ça surprend vraiment. Pas oublier aussi que le E c'est la rosette d'auto. Non, non. Putain, heureusement qu'il avait plus son E, j'avais pas de smite. On a eu chaud ici, on a vraiment eu chaud. Ok, on va back, parfait. Est-ce que je fais un Rabadon ou un Zhonya ici? Sinon, je peux aussi faire un Mejai potentiellement. Que je suis feed, vas-y, on va faire un Mejai. Hein. On va juste faire un Mejai, les gars. C'est très fort sur la paix sur Gwen parce que plus ça d'AP, plus tu régènes. Et plus tu fais de dégâts, donc ouais. C'est pour ça que c'est ce qui est très très fort, Gwen. Et vous voyez là, je skip mes Krugs parce que j'ai envie de mettre de l'impact sur la map. Vu qu'on est vraiment devant, on a vraiment envie de jouer agressif. Trouver des kills. Même sur l'écho, hein, faut pas hésiter. Hein. Si on arrive à le forcer à ulti, voilà, parfait, tu vois. Parfait, parfait, parfait. Je pense pas qu'il y ait ses Raptors ici. On peut pas prendre la tour. Tu sais qu'on peut limite Nashor, hein, notre rôle. Après, on peut aussi aider le Garen, mais... Go fight, hein. On va ulti first. Oh la Yumi, mec, elle s'est fait découper. Hein. On va la smite, elle. On va dodge son trap, là. Regardez, hop. Parfait. Et là, on a un Nashor. Oh, mec, c'est trop fort, ce perso, je vous jure. C'est incroyable. Là, j'ai 24... Ah, ils ont FF. Bon. Bon, en vrai, elle était quand même pas mal pour YouTube. C'est une game assez courte, mais vous voyez qu'il suffit de juste 2-3 fights et tu peux retourner la game en une seconde, quoi.